Une équipe soudée, les tendres confidences Julie de Bonnat sur son compagnon. Dans une interview accordée aux Parisiens, vendredi 3 février, Julie de Bonnat s'est livrée à cœur ouvert. L'occasion pour la comédienne de faire de rares confidences sur son compagnon, père de son fils de 4 ans. Son plus beau rôle, mère. En 2018, Julie de Bonnat a donné naissance à un petit garçon. Un moment qu'elle n'oubliera jamais. Mon accouchement, j'ai adoré, j'ai tellement adoré. Confiait-elle au reporter Diego Buñuel et à la naturaliste Perrine Cross-Marie alors qu'ils observaient des chimpanzés en Tanzanie. Dans l'émission Instinct Animal, France 2, elle ajoutait, au début, j'avais dit, ah. Non, moi, je n'accouche pas, mon mec se marrait, si, chérie, va falloir accoucher. Jusqu'au dernier moment, Julie de Bonnat a été terrorisée à l'idée de donner naissance à son fils. Il m'emmène à la maternité, et je dis, non, je ne veux pas accoucher, j'ai peur. Quand les médecins ont dit à Julie de Bonnat qu'elle allait devoir accoucher sous césarienne, son instinct primitif est sorti. J'ai fait, non, laissez-moi tranquille. Je vais le faire, je vais me mettre dans une autre position. Le médecin dit, ok. On écoute la maman. Je me suis mise à genoux et j'ai adoré ce moment, parce que c'était tellement animal. Il est sorti en 2 minutes. C'était puissant. C'est moi qui ai sorti mon fils. C'est le grand moment animal de ma vie depuis, son fils, dont on ne connaît pas le prénom. Fait le bonheur de sa maman et son papa. Papa dont Julie de Bonnat a préféré garder l'identité secrète. On ne sait en effet presque rien de celui qui partage la vie de Julie de Bonnat. En 2021. Dans une interview accordée à Téléstar, elle avait seulement glissé, « Je suis avec mon mari depuis très longtemps ». Au détour d'un entretien aux Parisiens, pour son édition Weekend, publiée vendredi 3 février. L'actrice vue dans Les Combattantes a distillé de nouvelles informations sur son chéri. Elle a révélé qu'elle passait le plus clair de son temps libre avec son compagnon et son garçon de 4 ans. Au programme, jeux de société et bricolage, je passe un temps fou à bricoler. A-t-elle déclaré. Et d'ajouter, chez certains couples, les travaux créent des tensions mais mon compagnon et moi formons une équipe soudée et efficace, la clé du bonheur.